Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Dice Watch. Petit jeu sympathique de dés, roguelite, indépendant, pas du tout indépendant. Je crois qu'il est pas du tout indépendant ce jeu, mais à vérifier comme info. On va y aller. On va y aller, c'est tout ce que j'ai à dire. On continue. Je suis à deux doigts de refaire un mode épreuve. Je refais un mode épreuve. On va le faire sur le talisman du courroux, parce que j'ai fait qu'une seule run dans le talisman du courroux, ce serait bien d'y retourner. Même si j'ai souvenir que le talisman du courroux, c'est douloureux. Hein. C'est douloureux dans mes souvenirs, mais on verra bien. Je vous rappelle, le mode épreuve, c'est un peu un mode supplémentaire où on ajoute de la difficulté. Alors, niveau 2, je peux relancer tous les dés une fois par tour, et une de mes chimères de départ est shiny, donc un tout petit peu plus forte. Et, à contrario, les ennemis auront un dé supplémentaire, les ennemis basiques auront de meilleures statistiques, ce qui me casse les couilles. Il faut le dire. On y va. On va voir ce qui se passe. Alan Level et Loyo98 vous disent bonjour YouTube. Alors qui c'est qui est ridissant? Oh, c'est Héroïde 1 encore. Alors c'est quoi cette histoire passive plus 2 de force? Hein, quoi? Ah, oh, il gagne 2 de force de base, quoi. Ah, mais en fait, c'est bien le courroux. Non, c'est l'autre, c'est celui d'après qui est encore plus chiant. Ok. Donc là, juste gratuitement, il a gagné 2 de force. Parce qu'il est iridescent. Et gagne un montant de force égal au nombre d'emplacements d'équipement utilisés pour le reste du combat. Donc il peut devenir très très fort, lui. Il peut devenir extrêmement puissant. Très bien. Alors commençons par un petit combat, bien sûr. Mausolée tout de suite, c'est quoi déjà dans le mausolée? Octroie 4 de force au meneur allié pour le reste du tour, à l'activation. Bah je me mets de l'activation sur ce dé, ouais, on est bien, on est content. Bah voilà, il aura plus 1 de force. Et lorsque j'arriverai à activer ça, il gagnera 4 de force. C'est pas mal. Peut-être pas faire le combat d'élite tout de suite, cela dit. Allez, on va faire ce combat là. C'est pas mal. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais vous réexpliquer comment ça marche au tout début. Hop là. Il est déjà à 9 de force direct. Oh le bâtard. Ok, donc c'est pas mal. Par contre, ce qui est moins pas mal, c'est ça là. Donc, ça, c'est un peu haché. Du coup, on voit nos PV, on voit notre attaque. Pareil pour les ennemis. Ici, devant, ce sont les meneurs. Derrière, ce sont les autres. On peut faire des rotations, mais là, le jeu ne nous le permet pas, donc c'est pas cool. Mais voilà, on peut faire des rotations, on doit jouer tous les dés adverses avant de terminer le tour. On n'est pas obligé de jouer tous nos dés, mais on va essayer quand même. Le but étant de gagner, voilà tout simplement. Merci à tous. Alors Bouglin, qui n'a pas d'effet. Tormentine, lorsqu'il est attaqué, il nous inflige confusion, petit bâtard. Bon. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre là-dessus? Pas grand-chose de bien fou. Héroïde A. Renforcement ciblé. Je peux gagner 2 de force encore. Ça se prend, ça se prend. Ouais. Ok. On va se casser la gueule mutuellement. On va... Ça fait chier. Je vais relancer. Ok. Vas-y, viens. On va casser la gueule à Bouglin. Et c'est Bouglin. Hop. Bon, par contre, j'ai déjà 7 PV, quoi. C'est top, hein. Et j'ai déjà plus rien. J'ai déjà à poil. On va mettre Héroïde B devant, parce que, bon... Oh, mais c'est quoi ces dés, là? Pas très content. Pas très heureux, tout ça. Ok, là, ils ont rien. Attaque de soutien. Ah, c'est bien, ça. Attaque de soutien de Héroïde A, du coup fera 11, bam! C'est à lui qui donne la confusion. Ok. Donc lui il est confus, s'il attaque il se prend 3 dégâts. Et merde. Je voulais que ça tourne pour Héroïde B moi. Enfin pour Héroïde C plutôt. Oh, ça commence bien. Hein. Bon début! Un bon début là, si on me demande. Si on pose la question. Visiblement, tout le monde s'en fout, et c'est bien normal. Putain. J'espère que tes familiers vont pas devenir émo, comment ça? Ah oui, parce que... hémorroïde. Bien joué. Première fois que je dis bien joué à les hémorroïdes. Broodbear, ouais. Bon, donne-moi des PV, s'il te plaît. Il a besoin de PV, lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sanctuaire? Parce que bien sûr, on peut recruter des nouvelles chimères. Des nouveaux stromons. Oh, il est shiny aussi. Attaquer,
Gagne 2 de force pour le reste du tour jusqu'à 2 fois. Ah. Ah. Une décision vraiment. Oui, d'accord. 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 Pas si ouf que ça du coup. Ouais, 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 ouais. Du coup, c'est top, il est shiny, mais il a chier quoi. Il est shiny quoi. En plus, il n'y a pas tant de force que ça. Grosso modo, quand il se fait attaquer, il gagne de la force, mais bon. Si on augmente son intelligence, ça pourra augmenter aussi. Mais bon, globalement, ses stats sont pas dingues. Hein. Un peu deg. Un peu deg d'avoir trouvé un shiny comme ça et que bon, bah, il soit chier. Après, il faudrait peut-être que je le prenne quand même. Bah, go deuxième sanctuaire. Allez, peut-être un autre. Ce serait fou, hein. C'est qui lui? Whiskero! Oula, c'est quoi sa tronche à lui? KO, octroie sa force à ses alliés pour le reste du combat. Oh. Y'a un concept. Y'a un sept con. Ouais, foutu pour foutu, je vais attendre le prochain, non? Quoique. Bon. Allez, Whiskero. Tu remplaces Hémorroïde B. Et combat d'élite avec 0 PV, c'est parti. Non, on va d'abord faire combat normal. C'est pas extraordinaire ce qui se passait quand même. Hein. Oh, Etchebest! Je sais pas pourquoi je l'appelle. C'est vraiment Escabal, hein. On a rien à voir avec Philippe Etchebest. Mais j'aime bien l'appeler Etchebest quand même. Rotation ennemie. Si des meneurs attaquent le meneur adverse. Ah! Donc globalement, si je fais une rotation, il m'attaque quoi. C'est... Ça vous êtes en train de me dire. Un peu chiant le gars. C'est mon avis. Hein. J'imagine qu'il a que les attaques là. Ah, il peut ne pas attaquer. Oh, let's go. Putain, et l'activation bien sûr maintenant. Ça sert à rien, mais c'est joli. Ça me fait plaisir. Ah. Un peu plus intéressant. Bon, tu peux m'attaquer. Je vais être à 3 PV quoi, c'est tout, mais c'est pas grave mec. Maintenant je l'attaque et il est mort. Non mais c'est pas grave d'être à 3 PV, c'est sympa, ça met du piment un peu dans la partie. Allez, donne-moi par pitié de la vie. Ok, pas grave mec. Écharde onirique, 4 activations, inflige sommeil à tous les adversaires. Oh. C'est... Sommeil à tous les adversaires, c'est fort. Après 4 activations, faut les avoir, mais... En vrai, je vais le tétan. Hein. Je vais le tétan, on va le donner à Hémorroïde C, comme ça il gagnera un d'attaque en attendant. Très bien. J'ai besoin de vie, là. Comment ça, 5 Radin. Oh, le 5 partout. Radin max, hein. Ok. Oh, il y a une deuxième activation. Ça va partir directement dans mon huc. Petit dé à l'activation là. Termine le tour et relance tous les dés. Ça, on. Je le prends pas tout de suite, mais il y a peut-être des chances que je le prenne. Comment vous dire que ça m'aurait sauvé bien des runs. Surtout la précédente. Bah, je suis pas très bien. Voilà. J'ai pas beaucoup de vie, globalement. He's back on the plateau, putain. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, encore? Qui l'a invité? Qui l'a invité, ce bâtard? Blâme. Bah vas-y, blâme-moi, mec. Je relance. Pour avoir mieux. Voilà. Une 13 d'attaque. Ok, donc, il a décidé de rien faire, et c'est mon jour de chance. C'est mon jour de chance, on en profite, hein. On prend tout ce qui est chance, moi je prends en général. OMG, Robinoulé, 1200 bits. Désolé, je n'ai pas le temps de rester car au travail, mais je dévore avec plaisir les violets de ce jeu de fou des bisous. Merci beaucoup Robinoulé pour les 12 milliards de bits. Merci énormément. Des gros bisous pour le gros soutien, merci beaucoup. Ça fait beaucoup plaisir. Et bah écoute, merci de regarder les VOD. Des bisous à tous les gens qui regardent les VOD, hein, bien sûr. C'est toujours très sympa de vous voir en stream, mais quand vous ne pouvez pas, c'est pour ça que les VOD sont là. Donc profitons-en. Merci beaucoup, Robinoulet. Adorable.
La tente abandonnée, on va y aller tout de suite. Game code une buzz us là pour Heroid. Comme ça au moins je mets les deux. Hein. Hop, il aura encore plus 1 de force. Et ça c'est bien. Maintenant. Ouais, et je suis un fou dans ma tête ou quoi? Allez, je gagne des PV max et 1 de force. C'est pas mal en vrai. Whiskey Hero, il avait besoin de PV max. Je sais pas si vous aviez remarqué cela. Ok, je prends en podcast là. Je vous abandonne dans pas longtemps, je dois faire des cours. Des cours? Des cours, t'es professeur quoi. On se veut dire des courses. Oui. Perso, je regarde le live pour passer mon envie de jouer à ce jeu de fou. Est-ce que ça marche? Non, j'ai toujours envie d'y jouer. Bah écoute, Doms. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. T'es pas la première personne qui dit ça d'ailleurs. Il y a déjà quelqu'un qui nous a dit ça il y a pas très longtemps. Et malheureusement, quand un jeu est aussi cool, bah on a envie d'y jouer quoi, c'est tout, hein. Non, c'est pas facile, hein. Si des meneurs attaquent le meneur adverse, putain, il est encore là, lui, il est encore là. Il est partout. On rend fou ce gars, hein, qui l'a invité en fait. Heroid, il va encore prendre dans son huc. C'est bon, laissez-le tranquille. J'ai pas envie qu'il m'attaque. J'ai pas beaucoup de vie en fait. Ah. Alors peut-être. Alors peut-être. Ok, c'est peut-être le moment. Peut-être le moment de tous les moments. Escabal, ça va dégager sec. Ah, dommage. Je m'attendais à une autre rotation. Oui, les courses, on me suis trompé. Mais Daka, t'as après faire des courses, c'est cool aussi. Hein. Je trouve ça stylé, perso. Hop là. Ouais, vas-y, attaque... attaque Whiskey Rouille, alors, ça. Putain, c'est vrai qu'il me vole de l'or quand il fait ça, le bâtard. Bah, trop bien l'activation, allez hop. Bon, je dis ça, mais si j'arrive à en avoir 4, il s'endort, hein, Minpocket. Hein. Je pense que ce sera le cadet de nos saucisses. Allez, dégage des. Oui, Rui a toujours envie, on sait pas comment, mais merci à lui. Hein. Bravo, hein. Bravo. Oh oui. Merci pour ce soin. J'en rêvais. D'ailleurs, probablement le seul gars qui préfère regarder les VOD sur Twitch au lieu de YouTube. Ah bah après, sur Twitch, c'est un aspect pratique. Hein. Tu les as dès qu'elles paraissent, alors que sur YouTube, tu dois attendre. Après, sur YouTube, t'as directement les moments forts. Sur Twitch, des fois, tu tapes les pubs, tu tapes le début et tout, mais bon, là. Après, tu fais avance rapide, hein. Parchemètre, elle a encore un chenille. C'est qui, lui? Je l'ai jamais pris encore, je crois, Akama. Réattaque la même cible une fois. Ah si, je crois que je l'ai déjà pris. Je sais plus. Non, sinon, ça me le dirait, non? Pas dégueu, mais 3 d'attaque, quoi. Faudrait vraiment augmenter son attaque pour qu'il soit viable. Mais en soi, non. Bisous, Akama. On l'embrasse. Je lui souhaite bon courage. Oh là là, l'équipe. Oh, l'équipe de baiser. En vrai, ça va. Juste, j'aime bien faire peur comme ça. Ok, Heroid, bah vas-y. Hein. Renforce-toi, renforce-toi. T'en as besoin, t'es pas très fort. On va profiter, là. On va peut-être casser la gueule à Solmet en premier. C'est évidemment plus fort. Et Gisli, bah... Gisli attaque Whiskey Hero, ouais. Ça va me faire tourner. Hop là. C'est pas grave parce que je reviens. I'm back. Guess who the fuck is back? Ok. Pas fou, ce tirage. Pas dingo. Si je fais une rotation à la tour, c'est peut-être Solmet. Mais c'est Boglin, bah let's go. Ok, petite réaction pour Boglin. Et nous, on va relancer, parce que je peux peut-être avoir mieux. Boglin aussi, d'ailleurs. Ok, bien joué. Bien joué, Bobo. Bon, le reste, ça sert à rien. Ah, une petite activation. Oh, le double attaque mutuelle, là. Pas giga fan, hein. 17 d'attaque, 17. C'est pas mal. Je pose si vous êtes au courant, là. Hop. On va faire ça avec Boglin, bim, ça dégage. Et on va attaquer avec, bien sûr, Héroïne, encore une fois.
Et on fait un petit on va relancer d'abord. Bon. Bah voilà. Je n'ai plus de Chisley. Ça dégage. Bon, c'est ok. C'est ok jusqu'à preuve du contraire. Multiplication, ça peut être pas mal ça. Ça peut nous sortir de petites déboires. On la tombe. Début du tour, ça inflige un dégât. C'est cool ça. Non. Plus tard. Plus tard, on verra. Il manque des trucs, non? Ah non, j'ai tout tué. Les shop est là, on est bien. C'est quoi ça? Désactivation. Pardon? Une fois par combat, inflige 200 dégâts à tous les adversaires. Il est hors de question que je le prenne pas, on est d'accord. Oh putain, mais ça... Non, ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi, quand même. Bah, désactivation, c'est beaucoup, hein. Non, mais il est tellement hors de question que je le prenne pas, c'est... Fuck. En tout. Besoin de soins. On va en avoir besoin. Le combat d'élite. Espérons l'élite soit chier. Ah, ça armentisse, bien sûr que ça armentisse. On le sait en plus que c'est l'armentisse ici. Aïe. Bon, alors armentisse, si j'utilise tous mes dés, il m'attaque. Voilà, grosso modo. C'est un petit rigolo. Après là, actuellement, on s'en fout. Hop. Bah super, pour armentisse alors du coup. Bim! Je relance au cas où, on sait jamais. Bon, nul. Merci pour le soin, Fernitza. Alors, renforcement ciblé, bien sûr. Et Fernitza, ça va dégager tout de suite. On le tue. Enfin, presque. Petite rotation, bien sûr. Et je m'arrête là, parce que sinon il va m'attaquer, j'ai pas envie de mourir. Je ne veux pas mourir. Ah, intéressant ça. Ouais, 17 de force, c'est pas dégueu. Mon dragon, ça prend. Bravo. Bon, tant que je me prends pas d'autres dégâts, ça me va. Hein. Ok, là ça me va. Là ça me va moi par exemple. Faut que je réfléchisse. Le plus rentable dans l'histoire. J'attaque Fernitza. Non, j'attaque mon dragon et c'est Fernitza qui m'attaque. Je suis à 1 PV. Rolo. Allez. On part là-dessus. J'attaque témérairement Fernitza. Petite rotation aléatoire. Et c'était Hyroïde. Oh merde, il est à 6 maintenant. Ce bâtard. Ça devient plus fort, s'il te plaît. Tiens. Je relance, il peut peut-être avoir autre chose. Voilà, bien joué. Ok. Très bon tour, mec. Très bon tour. Bah non, ça sert à rien, moi, que j'utilise. Sinon je fais une retasse. Bon, tout ça pour ça. Mais tant qu'il attaque pas, on est content, hein. Je sais pas faire revenir Héroïde A ou pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Pire, hein. Ah, ça y est, il attaque. Ah bah sûr, hein. On peut encore changer ça. On peut pas. On peut plus. Bah Whiskero. Ouais, hein, Whiskero, c'est pas grave. En réalité, c'est un peu grave, mais on va s'en sortir. Allez, pitié, Héroïde A. Let's go. Let's go.
Et on y retourne. Fou ! C'est l'oreille de souris ! On la prend à toi aussi. Putain, un PV, c'est top, hein ! Incapacité, gagne 12% de... gagne 12 de force pour le reste du tour. Et des relances. Ouais. Jusqu'à avoir mieux, je les mets là, mais ça va le dégager, hein. On n'a pas gagné grand-chose d'intéressant. D'énormes regrets d'avoir fait ce combat. De très gros regrets, pour être honnête. T'inquiète, mec. Je vais prendre ça, je pense. On va en avoir besoin, c'est sûr et certain. On sait jamais. On sait jamais. Il y a un monde dans lequel j'arrive à l'incapacité, il meurt et il me transfère 12 plus 7 égale 19 de force à mes deux autres potes. Je lui donne en attendant. Ça va demander du courage, hein, cette fois. Oh là là. Oh le boss. Oh là là, ils ont 4 OD, gros. 4 OD. Les 3D d'Adidé. Ça va, pas trop d'attaque, non? C'est plutôt pas mal. Plutôt acceptable. Non. Il y a un monde où vraiment je sacrifie Whiskero tout de suite. Faut savoir que là, si j'utilise tous mes dés, je me fais globalement Hagar, hein, vraiment. Armentis m'attaque, Cauchemora me met de la confusion et mon dragon me met du sommeil. Voilà! C'est plutôt cool. Vas-y, Héroïne. Attaque, gros. On va s'attaquer un petit peu, mec. Pas mal vos dés, les gars. Pas mal. Ok. Ok, bah top, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, bon, on va tuer mon dragon, non? Allez, on reste là-dessus. Oh, trop bien. Ça, c'est top ce que j'ai eu. On va faire une petite relance, ok. Ok. Que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la masterclass? Incapacité égale, plus 12 de force égale. Il est mort, il me donne 19 de force à tout le monde. Et maintenant, c'est le moment où j'utilise mon jeton de soin. Vas-y, attaque-moi, mec, tu vois? Ok, 32 dans la gueule, allez. Oh non. Oh mais quoi, mais gros, ils font qu'attaquer. Ils ont que ça. Ils ont que ça. On va tuer Armentis, hein. Ça me dérange pas, moi, perso. Perso, je suis chaud pour tuer Armentis, mais c'est que moi. Bon, au pire, fais-moi sommeil, ça va rien changer. Ils attaquent. Hop. Voilà ce qu'on veut voir. C'est quoi activation, désactivation? Vas-y, on y croit. Voilà, petite attaque, ouais. Ouais, vas-y, soigne ton mec. Ça a plutôt bien marché cette technique, après voilà, c'est mon avis. Mon avis. Whiskero, merci. Merci pour ton sacrifice, il n'était pas vain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Début du tour, tous les 3 tours gagnent plus 1 d'activation, c'est pas mal. Après, tous les 3 tours, c'est pas énorme, mais c'est cool.
Plus 5 de force pour le reste du combat et s'inflige 4 de confusion. Ok. Inflige 2 dégâts à tous les adversaires qui ont blessé. Souplouche pour Whiskero, c'est pas mal. Hein. Souplouche, c'est vraiment pas mal pour Whiskero. Si on essaie de compter sur le... Sur le... les stats de Whiskero, ça peut être pas mal, mais... Tous les 3 tours gagnent plus 1 activation, pour ça, ça peut être top. Mais bon, plus 1 tous les 3 tours, c'est très long. Après, dans un combat de boss... dans un combat de boss, on serait très heureux de l'avoir. Hein. En vrai, partons là... Je vais partir là-dessus, parce que dans un combat de boss, ça me sauvera le cul, je pense. Encore faut-il y arriver, hein. Mais on va y croire. De l'argent, gratuit. Alors, bien sûr, la main de pierre. Pense à lui. Je peux encore repartir sur... à tout à l'âme. Je peux encore repartir sur un anneau d'orgueil que je filerai à Héroïde C, en vrai. Réanime ou soigne entièrement toute l'équipe, ça peut aussi nous aider. Hein. En vrai, vu la difficulté actuelle, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Peut-être la meilleure chose à faire. On va voir le premier. Ah putain, il y a déjà un combat d'élite. Je réfléchis, je me dis peut-être le faire maintenant, le combat d'élite. Le faire avant la chimère. Je vais faire ça. Je vais faire avant la chimère. Oula! C'est qui eux? Ils veulent quoi? Ils ont invité. Quand il est blessé ou 3-1 d'épinomeneur allié. Quand il attaque, il inflige 5 dégâts à ses alliés. Oh là 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 là, l'angoisse. Oh, ça va être long. Oh, ça va être dur. Hein. Ça va être dur tout ça. Le mieux à faire, c'est de buter les cacutards le plus vite possible. Eh oui, hein. Ok. J'ai pas besoin de relancer, je pense. Ah, top. On fout. Raillerie. Sur Griffon, ok. On va relancer. On va attaquer Griffon, du coup, on n'a pas le choix. C'est quand il attaque qu'il inflige des dégâts. Je pensais que c'était quand il était attaqué. Ok, bah ça va alors. C'est ok. Qu'est-ce qu'on fait hein? Ils ont un miroir, donc faudra que je miroire un truc nul. Genre une rotation aléatoire. C'est pas dingue tout ça. Hein. Aïe 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 aïe. Du coup on a pas trop le choix. Hop. Attaque-moi. Et renforce-toi en espérant que ça ne te serve pas. Ça va bien se passer, tu as géré le combat. Hein, on espère. Hein. On espère parce que bon. On n'est pas sûr. Mais ça va. Tant qu'ils se prennent pas trop de tout petits dégâts, ils vont pas mettre trop d'épines et ça va pas devenir trop dangereux. On s'en fout, ça, vas-y. Vas-y, ruine. Ah, reviens. C'est parfait. Est-ce qu'il peut avoir mieux? Il peut avoir mieux. Comme par exemple ça. Bon, c'est une attaque quand même. Donc pour l'instant, plus de peur que de mal, hein, quand même.
c'est pas horrible ce qui se passe. Si j'arrive à avoir une quatrième activation, ce serait bien. Attends, Cloyon. Aïe aïe aïe, une épine en plus. Elle fait si mal. C'est mal, mais il va dormir. Il va rompiche le griffon ombre. Hop. Pourquoi il a gagné encore en force, lui? Ah, ça donne de la force au meneur allié, j'ai jamais fait gaffe. Peu importe ce qu'il fait, il peut pas attaquer. Du coup, moi, je fais revenir Héroïde. Là, ça dort. Fais dodo cola mon petit frère. Peut peut-être avoir mieux. Voilà, nickel. Mieux étant rien du tout. Ça m'emmerde un peu cette histoire. Ok, une chance sur deux. Ouais, pareil ici. Toujours mieux. On va sacrifier les PV de Uruc. Voyons voir. Rien de bien incroyable. On a sacrifié les PV de Hiro Itse et c'est pas si grave. Au moins comme ça l'élite est fait. On gagne... Oh, 3 d'intelligence. Ça pourrait être utile sur une prochaine chimère, éventuellement. Et ça, putain, par contre, on gagne le miroir maintenant, c'est un peu relou. Bah, je vais le mettre à la place de ça. À la place de l'inaction ici, comme ça j'ai une petite chance d'avoir activation plus miroir. Et bon, à la place d'une relance, enfin ouais, à la place d'une relance. C'est pas dingue-zos, mais ça va. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il me propose? C'est qui lui? Oh, il est beau. Pavonix, une fois par combat, se réanime et se soigne fortement. Réanimation gagne 7 de force pour le reste du combat. C'est littéralement un Whiskero, mais pour lui, quoi. Se réanime et se soigne fortement, putain. Presque envie de... Presque envie de, du coup... virer Whiskero, mais bon, Whiskero pourrait quand même être encore utile. Alors que Héroïde, bon... Héroïde, c'est clairement pas un exemple à suivre. Héroïde, tu vas... Allez. Soigner tes poteaux. Et Pavonix, tu vas le remplacer. Il est un peu stylé, lui. Hein. Bah ça, le plus 3 d'intelligence, du coup, c'est pas mal. Il gagnera 10 de force lorsqu'il sera mort. Et... qu'est-ce qu'on donne, en plus? Pas grand-chose. On a pas grand-chose à te donner, mec. Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout, frère. Alors. Maintenant... Bah, on a fait le combat le plus dur, a priori. Maintenant, c'est du menu fretin. Mais bon, menu fretin... pas forcément. Attention.
C'est quoi là? Début du tour, si la santé n'est pas pleine, attaque le meneur adverse. Ah. C'est un peu de la triche. Je suis pas d'accord avec ça. Ok. Du coup. On va relancer tout ça. Je crois que ça c'est bien quand même. Alors ça c'est chouette. Les canis, on n'a pas le choix, donc on va le mettre là. Un peu envie de voir combien il va se soigner par Vonix s'il meurt. Parce que quand même, il va gagner 10 d'attaque, il aura 17. Il va être insane en vrai. C'est un peu insane quand même, comme truc de se dire, le gars a le droit de mourir et puis il revient avec beaucoup de vie. C'est quand même pas dégueu. Hein. Pas envie de miser dessus. C'est rotation aléatoire, c'est une chance sur deux qui rotate sur Pavonix. Chier. Je prends mes rêves. Ma vie est foutue. Ma vie est foutue, voilà. Mieux. Ok, chier. Pas ouf. On est 12 de force là. Qui ne sert à rien, bien sûr. Oh. Putain, il n'a pas le droit de jouer, Pavonix. On dirait un Gaulois là. Putain. Casse les coums. L'activation, voilà. Je m'en fais une. Comme ça, je tue quelques tard. On se pose pas de questions. Maintenant, relance, peut-être. Ok. Bon, bah, Whiskero, bisous, hein. On t'apprécie, sache-le. Salut, hop. C'est pas grave. C'est un peu grave, quand même. Ok. Pavonix, à toi de jouer. Voilà. Bon, Whiskero est mort, c'est la vie. C'est chiant quand même, mais c'est la vie. Tu peux pas revenir là vite fait? Quelqu'un peut pas le faire revenir rapidement, hein? Si je lui donne ça, ça le soigne ou pas, hein? Ça sera assez dingue. Mais on va tout donner à Pavonix, hein, au niveau de ça, au niveau de la vie. Réfléchis, mais attends. Ouais, non, c'est bien ça. Tante abandonnée. On va voir comment tante est toute seule. Toujours plus, hein. Non, en vrai, le plus logique pour l'instant, c'est de mettre ça. On mettra lui plus tard. Faudrait que j'ai accès à un soin, quoi. J'en aurai un là, a priori. Ok, oh là là, oh là là. Oh là, Kibaya. Si les meneurs gagnent 2 d'épines, ça va. C'est ok. C'est pas extraordinaire tout ça. Ça va le faire. Attaquer avec lui. Petite relance. Ah, Dazot. Deux d'épines, oh, ça arrive. Hein. Oui, on va.
pas grave. Hop. He's back. Oh oui. Oh, ils viennent tous de les endormir. Let's go. Allez hop, dors bien mon grand. Dors bien mon coco. Hop là, plus 4 de force. Oh, il a pas attaqué le bouffon. Parfait. Bon dodo à toi les canis. Pour l'instant ça marche bien. Allez, coucou Bugsy. Coucou Bugsy. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre à lui? Vas-y, attaque, attaque gros. Hop là. Putain, mais du coup les canis dort encore. Oh, c'est magnifique. Ah bon, bah il dort plus. Il dort plus, il a triché. Oh non, je vais mourir, non. Oh, je vais. Ah, ça va. Ah, c'est ça, beaucoup de vie, c'est la moitié de ma vie. C'est pas beaucoup. C'est aucun, quoi. Après, c'est bien, 19 d'attaque, hein, je dis pas. Attention, hein. Je crache pas dans la main qui m'a nourri. Je crois que c'est pas ça, là, exactement, là. Expression, c'est pas grave. Babibibobou. Une broute B ou mamie qui va soigner ou réanimer. Oh mais 4 de vie. Il fallait pas, hein. Il fallait pas être aussi généreux, hein. Au moins, il nous a réanimé, c'est déjà pas mal. Hein. Tiens, un équipement de renforcement de la force. Un équipement de soin, c'est pas... pas décollant avec Pavonix, en vrai. Une fois par combat, gagne 6 dérégènes. Quand on meurt, est-ce qu'on perd toutes ses afflictions? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de mourir. Donc le meilleur moyen de le savoir actuellement, ce serait que Whiskero le prenne. Surtout pour ne pas mourir tout de suite, pour revenir à la vie. On va mettre Whiskero leader pour le prochain combat, histoire qu'il se régène. Oh, les moules geisha. J'ai un montant de saignement égal à la moitié de la force du porteur à tous les adversaires. Ça, on avait vu que c'était sympa, mais actuellement, c'est pas ce qui va nous rendre fous. Le meneur gagne plus d'intelligence pour toujours. Je savais pas que c'était pour toujours. Ah ouais. Inflige un montant de dégâts égal à la force du porteur de l'objet au meneur adverse. Putain, mais il a que des trucs d'activation, ça rend fou. Je pourrais le rendre tellement fort avec ça. Putain, il peut aussi gagner des PV et tout, putain. Beaucoup de choses bien. J'ai besoin de tout ça. On a besoin de tout ça pour survivre. Oh, Pumburus. Mignon, mais est-il chiant? Entrant en tête, l'équipe adverse tourne dans un sens aléatoire. Ah, quand il entre sur le dance floor, ça y est, tout le monde se met à l'aise, quoi. Putain, le bâtard. Ok. Donc, quand il entre, on tourne. Drôle d'idée, ça. Toi, faut que t'attaques. Ce serait pas mal que t'attaques. Comme ça, t'auras ta régène. Voilà. Maintenant, rotation. Ok. Et du coup, je tourne moi aussi. Et on va relancer ça, peut-être. Bon, bah non, alors. Une chance sur 6, hein, c'est une chance sur 6. Ah, la petite régène qui régale. Il régale la régène. Pas très enchanté du fait qu'il nous demande de le renforcer tous les deux tours, quand même. Enfin, tous les tours, même, en fait. Plus de force. On attaque.
Attaque contre attaque. Il est où lui? Ah oui, moi quand on tombe attaque hein. Lycanis, Lyc a rien du tout gros. Putain, casse les couilles Pomborus là, arrête de devenir fort s'il te plaît. Arrête de devenir fort, je t'en supplie. The Risotto, hello. Bienvenue, on est là, au plein milieu d'une run, mais on, plus ou moins au début. C'est quoi ça? Dernière action, multi-relance. Bah top. N'hésite pas, gros. Merci énormément. Allez, Roïd, reviens devant. Whisky Rocky regagne, bien sûr. Ok, oh, ça va faire un gros dodo ici. Voilà, le dodo. J'ai pas vu le purification, ça me fait chier. Et toi aussi, tu vas au dodo. Mais pour bien longtemps, quoi. Bien, bien long, le dodo. On relance, hein. Tu deviens plus fort, si tu veux. Pourquoi j'avais 20 d'attaque? Ah oui, parce que j'ai eu deux activations en un tour. Toutes ces emotes. Griffon qui veut m'attaquer alors qu'il fait dodo. C'est pas intelligent, ça. Vas-y, mec. N'hésite pas. Hein. Si tu veux d'autres, d'autres astuces. Du coup, lui, il va m'attaquer. Ça va me servir à rien. Et moi, je vais attaquer Griffombre. C'est bien, ça. Hein. C'est bien joué. N'hésite pas à le refaire. Hein. C'est quoi, ça? Attaque mutuelle, ouais. À d'autres. Moi j'ai bien aimé cette config, hein. Je garde. Je bouge pas parce que Lycanis du coup il dort, donc c'est bien. Il continue de dormir. Ça va m'attaquer. Bim. Ensuite, attaque téméraire. Bam. Pavonix. Ça attaque. Ok, attends. Plus... Il va tuer Lycanis en attaquant Griffombre. Non, Pavonix, reviens. Merci. Merci d'être revenu, Pavonix. Miroir, non, pas chaud. Non, grosso modo, non. Voilà. Il dort mes rêves de baston. Ah bah vraiment. Il n'attend que ça, le bug. Le bug misère. Ah, ça dégage. Franchement, je pense que Pavonix c'est pas mal. Après, c'est un avis perso. Putain, j'ai oublié de lui donner ça, là. Putain. Il va me donner un jeton, je vais me chier dans le cul. Non, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y avait la forge au dé. J'ai tout acheté alors qu'il y avait une forge au dé. Dans lequel je pouvais avoir d'autres dés, par exemple. À savoir, oui. Il me faut d'autres dés, j'en ai besoin, j'ai pas assez de dés. J'ai pas assez de tout de manière générale. Il manque beaucoup. C'est une Aton. Une Aton, hein, bien sûr. Bon, j'ai beaucoup de Oumami. Oumami. Putain. Tiens, bonne part. Oumami, mami, blues. Bon, on va regarder qui on n'aura pas dans l'équipe. On est Escabal. Bof. Bof, mec. Très bien. Combat dans le... Putain, j'ai déjà utilisé la tente. Mermillon. Il est trop mignon, mais il est casse-couille, je crois. C'est quoi déjà sa particularité? C'est qu'il casse les couilles à tout le monde, ça. Une fois par tour, inflige 3 saignements à tous les adversaires quand il est attaqué. Allô, la police? C'est horrible. Bah, du coup, il faut pas qu'il soit attaqué. Hein. Grosso modo. Empêcher toute attaque, hein. C'est pas top. Tiens. On est sur de l'emmerdement pour l'instant. Zipomonix. Tout le monde te regarde, mec.
C'est beaucoup de pression, mais c'est super important. Je remercie l'absence du prof pour pouvoir voir ce stream. Merci à lui. Merci à Madame Pavoshko de ne pas être venue. Ok, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit. Et du coup, on n'attaque pas Meilleur Million. Pour des raisons évidentes de pas envie. Hop, et on tourne. Et c'est incroyable. Petite relance, ok, ça chie. Quoique, bon. Mange pot de pain, c'est soir. Faut que je pense à utiliser ça sur Pavonix, par pitié. Qu'est-ce qu'il fait, Pandorus? Pandorus, j'ai l'impression qu'il veut qu'on se fight. Ça va être quoi, ça? Tu as de la merde, grosso modo. Putain, il faut qu'il attaque, bien sûr. Ah, le bâtard. Ah non, pas Mermillon. Viens, mec, viens, t'inquiète. Très heureux de te voir, Mermillon. Très très heureux. Oh, petite activation qui régale. Encore une autre activation. Allez, hein. La prochaine, on endort tout le monde. Ça peut être pas mal. Vas-y Kibaya, deviens plus fort. Ok, petit retard, ouais, ça fait chier. Ça. Bah ça fait chier, voilà, je le dis. Ok, ça fait moins chier. Si là j'attaque Mermillon, je fais 17. J'ai énormément envie de le faire, mais il vaut mieux pas. Hein. Si je l'attaque, il va me mettre du saignement, après j'ai plus le droit de tourner, c'est chiant. Ça casse les couilles à tout le monde. Tu as une petite rotation, non? Purifie-toi, mec. Ça fera du bien, t'en as besoin. Ah merde, mais j'ai pas fait de rotation, je suis... Connard. Mais putain, mais je veux pas vous stiro. Putain. Bon, on va le buter au bout d'un moment, Mermillon, tant pis, c'est la vie. Allez, ça va faire dodo. Dormez, les gars, dormez, c'est bien. Très bien que vous dormiez comme ça. Il faut qu'on réussisse à... Putain, mais ils veulent pas que Pavonix joue. Pavonix n'a pas le droit de jouer au jeu. Purifie-toi, mec, ça fera du bien. Je te le jure. Putain, on s'emmerde, gros. Ah, bisous, Kibaya. Hein. Top. Ah, bah voilà. Tu es Pavonix, je vous en supplie. Il demande que ça. Bah voilà, maintenant il a le droit. Maintenant il a le droit, c'est autorisé. C'est toléré. Bah alors on attaque pas les gars? Pourquoi vous attaquez pas? Vous êtes en train de dormir peut-être? Non, moi je peux être patient. Hein. Vas-y Pemborius. Non! Non! Non, ah non hein. On attaque pas Mermillon hein. Annulé! On attaque Pamboreus ici. On attaque pas Mermillon, c'est impossible, c'est interdit. Tiens. C'est chiant gros. Mais t'inquiète, j'ai un plan. Plan très simple. Viens, tu m'attaques. Ok, t'as raté, tu feras gaffe. Ok, oh putain merde, j'ai du saignement.
Non, ça va en fait. Bon, on s'en sort bien. Globalement, hein, globalement, ça se passe bien. Brood Bessus. Allez hop, on prend. On prend la Brood Bessus. Ah, le v'là, le feu de camp. Je vais globalement me coudre une pochette, voilà. Bah autant, hein, autant qu'il donne tout, quoi. Autant qu'Héroïde A, lorsqu'il a une petite activation, ça fasse plaisir. Et bientôt, on mettra la... on mettra lui, là. À 10 activations, 300 dégâts dans la gueule de tout le monde. Ce qui n'a très peu de chances d'arriver, mais... La dernière fois qu'on a fait un pari comme ça... Oh non, ça s'est bien passé. Il est de retour in the plate, Kibaya. Encore. Ah, pas marre, lui. Ah bah, super, deux épines, gros tricheur. top, cette rotation. On va faire une petite... Rotation gauche, du coup, c'est quoi, rotation gauche? Gauche, c'est... Comme ça? Voilà. Putain, Pavonis, il va se faire casser la gueule par Griffon, ça dégoûte. Non, mec, pourquoi tu fais ça? Non! Ok, ça va, finalement, ça me dérange pas. D'ailleurs, allez, hop. Au bout d'un moment, merde. Voilà. J'ai encore oublié de le faire au bon moment, c'est pas grave. Bon, maintenant, on rigole, mais faudrait pas trop mourir quand même, Pavonix. Petite info. Tu peux éviter de crever. Ça nous éviterait bien des emmerdements, de manière générale. Mais fou, on est pas trop fan de ce mec. Ah, il fait quand même mal, hein. Il a quand même 5 d'attaque, c'est pas top. 29 de force. Bon, ça sert à rien, mais ça fait plaisir quand même. Relance au cas où. Ok, bah go Héroïde, hein. Pas trop envie que Pavonix meure totalement. Putain, il a encore plus d'épines, hein. J'ai oublié cette histoire. Il a inventé sa propre histoire. Bah tant pis pour les épines, j'ai envie de te dire, hein. Au bout d'un moment, t'as cherché, hein. T'y as cherché la merde. Mais c'est vrai, attendez. Je vais lui faire 13. Bim, voilà. C'est pas mal, ça. Ça marche aussi, des dégâts indirects comme ça. Bien, c'est mort, le même mec. Une chance sur lui qu'il le fait sur P3C, ça m'irait très bien. Ça me va pas. Tant pis. Allez, qu'est-ce que c'est dans une vie, tout ça. 33 d'attaque, hein. Si je pouvais faire... si je pouvais en faire quelque chose de ces 33 d'attaque, je le ferais, hein. Sans sourciller. Allez, bim. Tu feras gaffe. Petite activation, là, vite fait. Ok, 13, c'est pas mal. Encore, mec. Encore, s'il te plaît. Voilà. Pas mal. Ça commence à devenir pas mal, cette histoire. Activation max, là, pour l'instant. Hein. On s'active, hein. On s'active. Si je devais donner un nom à cette VOD pour le moment, ce serait on s'active. Mais, on sait pas. Fouille de l'union. Donc 3 sanctions à meilleur adverse, ça fait du combat, 8 PV max en plus, ok. C'est pas horrible, hein. Fruit de la violence, inflige 6 de confusion, fin du combat, plus 2 de force pour toujours. Ouais, ok. Fruit de l'équilibre, inflige entrave à tous ses alliés, soit même compris, fin du combat, 2 intelligences pour toujours. Ouais, 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 bon ça... Entrave à tous ses alliés, soit même compris, ça peut vite nous foutre dans la doms. Mais... Après, un peu envie de gagner 8 PV max. Je sais pas si, du coup, lorsqu'il va mourir, il va quand il dit se soigne fortement, est-ce qu'il se soigne de la moitié de ses PV ou est-ce que se soigne de 10? Plus 2 de force pour toujours, de manière générale, on aime. En vrai. Confusion sur Bavo, s'il meurt, ça disparaît. Ah, c'est vrai que ce serait l'occasion de savoir si ça disparaît, en fait, un truc comme ça. Vas-y. C'est un peu l'occasion de savoir, ouais. Un peu l'occasion de savoir. On a tout fait, là? On est bon? On est bueno? T'es un Kinder, je suis bueno. Qu'est-ce qu'il y avait comme phase 2D? J'ai pas fait gaffe. Ouf.
Après, je dis ouf, mais en vrai, petite garde, c'est pas de la dumps, hein. Petite gardeuse, des fois, ça nous sauve la vie. Inflige sommeil au meneur adverse, ouais. Non, on va garder notre argent. Avec un petit regret, cela dit, mais... Il y a quoi dans le shop? Trop chiant. I am very very chiant, I know. Oui, bof. Saignement égale à la moitié de la force. On avait fait une run très très sympa avec ça. Mais là, ça prête pas trop à notre jeu, là. Ça prête pas trop à l'ambi. Oh là, Exog et Exol. Je souffle. Actuellement en train de souffler. Actuellement en soufflerie. Tiens, voilà, hop. Confuse-moi, mec. J'adore ça. Disons, on s'attaque. Ça va être drôle. Oh, mec. Je suis mort, non ! Ah, ça va. Du coup, j'ai gagné 18 de force. Ah ! Eh bah, ça ne marche pas, du coup. Bon, bah, on le saura. We're gonna sort at 10. Parce que là, actuellement, je suis dans la merde, hein. Je vous le dis juste, hein. C'est une petite info. Du coup, je suis dans la dôme, grosso modo. Il existe une petite chance pour moi, cela dit, de m'en tirer. Et la réponse est que non. Oh, putain de merde. Oh, shit. Bon, bah, j'ai pas le choix. Hein. J'ai plus d'autre choix. Tu me renforces, vite fait. Voilà, s'il te plaît. Bah, jeton de multipurif, hein, je crois qu'on va faire ça. Hein. On va utiliser le jeton de multipurif, voilà. Et purifitoise aussi. Puis bah charge, hein, il va octroyer 3 de force au lieu de 2, ça me casse les couilles. Mais on va pouvoir jouer là. Bon, ça va le soin, tu vas pas donner 1000 PV aussi, mec? Bizarre ce truc quand même. En tout cas, Shadowly, maintenant on saura. Hein, parce que là, j'ai un peu mal au cul de ce qui vient de se passer. Allez, c'est parti. Donne de la force à tous les copains. Bravo, mec. Une chance sur deux que je regrette d'appuyer sur ce bouton. Ok. J'ai peur. Actuellement, en état de peur, tout simplement. Putain. Putain, il attaque, le bâtard. Fais chier. Globalement, ce que j'en pense. Hein. Allez, petit coup de pistole. Gomu Gololo, rien du tout. Oh non, pas confusion. La force du boss au meneur adverse. Bah oui, bah mets-moi 8 de confusion. C'est pas grand-chose, 8 de confusion, finalement. Tout le monde s'en fout d'avoir 8 de confusion, ici. Vas-y, mets-le moi, des 8 de confusion sur Whiskero. S'en fout de Whiskero, de toute façon. C'est un chic type, mais... Merde. On tourne. Tourne et retourne. C'est pour l'intelligence, mec. Putain, mais ça va augmenter les PV qui soignent. Oh, oh, c'est potentiellement dangereux. J'ai peut-être fait de la merde. Bon, on est peut-être dans la chiasse, hein, je vous le dis. Ok, il a soigné Exol, c'est cool. S'il avait soigné Exog, on était dans la merde. Vous voulez pas tourner, les gars, par hasard? Petite... Putain, mais... Ils ont 14 milliards de force! Je t'en supplie, activation. Ce n'est pas activation.
Je veux pas que Exog puisse redonner de la force. Bien sûr, fallait que ce soit Héroïde. Ah, bien sûr, oui. Ça pouvait pas être l'autre. Hein. Putain, sa maman. Bon bah, c'est la Dom, en grosso modo. Top, top, top. Bah, Héroïde. Ah, qui va mourir, c'est pas grave, hein. C'est bien sûr faux. C'est faux, mais c'est pas loin de la vérité, quand même. Hein. Bien sûr, j'ai pas l'activation, hein. I've got no activation. J'ai que des trucs aléatoires, ça m'en fout. Putain. C'est quoi cette angoisse, là? J'ai juste pas le droit, j'ai le droit à rien. Bah, Héroïde, hein. Bisous à toi. Pense à toi. Pensée émue pour Héroïde. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. C'est quoi, vas-y, donne-lui confusion. Allez. 31 de force. On peut le faire. On peut y arriver. Bravo, Pavonix. T'es un bon, Pavonix. Bien joué. Oh, le survivor. Oh là 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 là. Putain, j'avoue, j'ai fait le boss avec le... avec le malus. Bien joué, le part, ça. Plus 5 de force et moins 5 PV max. Bon, non. Non, pas chaud. Tourne sa propre équipe dans un sens aléatoire une fois. Bof. Attaque l'adversaire le plus vulnérable une fois. Ça, pourquoi pas. Pourquoi pas. On est vivant. On est vivant, c'était... Oh non. Non, pas là. Non. Non, bon, c'est la fin. C'est la fin de la run, voilà. On peut le dire. On peut dire officiellement que c'est fini. Que c'est foutu. Putain de merde. Feuille tour. Si les meneurs, plus 2 dehors. Ce soit une forte. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Adieu chance, vous inquiétez pas. Rien n'est impossible. Tout est possible. Mais... ça dépend des possibilités. C'est clair ou pas? Non, c'est normal. Ok, c'est chaud. T'as mon rêve d'avoir un Pavonix shiny, je sais pas ce qu'il ferait mais... Il peut peut-être se réanimer deux fois. Ou alors il se soigne intégralement. Putain, chaud les actions de l'ennemi, là. Après, il faudrait qu'on tue Rakar en premier, mais bon. Bah, on va peut-être avoir le cas, du coup. Top. Tip-top l'escalope, bien sûr. N'oubliez pas. Super important, ça. Ça va bien. Il a fait pour toi. Hein. Allez, hop. Globalement, Pavonix peut rester là. Ouais, pareil.
Moi, je vais attaquer Rakar, perso. C'était mon avis. Maladresse, bon, pourquoi pas. Bon. Allez, hop. Le Kraken a l'air énervé. Il l'est un peu. Parce que du coup, il inflige aveuglement lorsqu'il attaque. C'est chiant. Oh non, je ne peux plus attaquer. Hop là. Ça whiskero à la Jeanne, c'est magnifique. Ça sert à rien, la Jeanne. Ok, Rakar. Putain, ça va être chaud de le battre. En vrai, non. Parce qu'on a notre activation. Quand même, Héroïde, c'est l'activation divine. Hein. On peut le dire. It's disable. Ok. Ah, mieux. C'est quoi, là, actuellement, c'est... Multi-relance. Bah, chiant, gros. Je te le dis tout de suite. Ça m'emmerde. Bien joué, mec. La rotation gauche, du coup. Et moi, je fais ça. Allez, bisous, hein. Bisous, mec. Let's go. En New York, j'ai dû en rater les choses. Il s'est passé les choses, voilà, Alan, t'inquiète. Mais là, on est face à des gens plutôt colosses. On a Pavonix qui peut mourir une fois par combat et qui gagne 11 de force quand il meurt. Donc c'est pas mal. À la réanimation, il gagne 11 de force. Donc c'est top. Et lui, bah, quand il meurt, il donne de la force aux autres. Donc là, on est sur un stuff mourir. Et Dieu sait que mourir, en général, c'est pas facile. Mais là, ça va. Là, ça va mieux. Héros errant. Donner un équipement et recevoir un équipement aléatoire. Ou alors de l'argent. Je m'avoue que l'argent, là... L'argent, je le prends, en gros. 25, merci, mec. J'ai l'impression que c'est souvent 25, quand même. Que c'est pas si aléatoire que ça. Une petite sanctuaire, là. Aux gens, regardez. Qui c'est donc? Jamais vu, lui. Malus. Sortilège. Cibler un allié. 5 de force lui sont octroyés pour le reste du tour. Il peut le faire 4 fois par combat. Ma foi, j'aurais tendance à dire. Et alors peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ça. Peut-être plus utile que Whiskero quand même. On l'a jamais vu en plus. En plus, on peut augmenter. Si on arrive à augmenter son intelligence d'une manière ou d'une autre. Il peut quand même faire plus 7 de force, pas horrible. Et lui, il peut me porter, il peut porter 3 t-shirts, quoi. Il peut mettre un t-shirt, un pantalon et des chaussures, quand même. Bon, après, je sais pas ce que ça lui fera, à lui, mais... Bah ouais, hein. Ouais. Je vais le prendre. Bisous Whiskero, bien sûr. Qu'on embrasse. On va mettre ça, on veut mettre ça, hein, ça mange pas de pain. Et bon bah la comète de la fin, non bien sûr. Oui, on lui met ça en attendant, mais bon. Palingos. Du coup c'est bien comme ça on aura des coffres au trésor pour les prochains. Et Brute Bay. Oh, s'il y a une belle intelligence. Ah. J'ai choisi mon camp. Brute Bay corsé plus 1 de force. Alors, la question étant, est-ce qu'on redonne de la force à Pavonix? Ou est-ce qu'on augmente la force naturelle de Héroïde? Qui, du coup, ferait que le pistolet laser, c'est encore plus intéressant. Juste la force de Pavonix, hein, qui est un peu notre survivor. Qui fera les gros dégâts en fin de run. Bon, Héroïde hein, pour le pistolet laser. Hein. Le pistolet laser. Forge OD. Oh, pitié de l'activation. Pitié. Oh, oui. Oui, activation.
Oui à l'activation. Activation à la place de raillerie, hein, vraiment. Quoique raillerie, des fois, c'est utile, en vrai. Alors que relance. J'ai quand même une chance sur deux d'avoir un putain de... d'activation à chaque tour, là. On parle là-dessus. Il y a un autre dé, mais bon, là, c'est presque du luxe, quoi. Presque trop du luxe. Niveau point de vie, je suis comment? Je suis ok. On va attendre de faire un autre combat. Pourri, pourri, pourri. Oh bah le même. Oh non, pas Mermelk. Oh le bâtard. Il sait exactement ce qu'il fait. Du coup, ça lui donne la régène tout de suite. Bien joué ça. Bon, du coup, je suis obligé de me prendre le gel de Thieu Zuin, qui m'emmerde pas mal. Quoique, attends. Eh. Alors, Mermelk, fais le malin. Bon, j'avoue, là maintenant, c'est moi qui ai un peu trop fait le malin. Putain, j'aurais dû me donner la force. On peut recommencer le tour vite fait. Juste. Je suis débile. Oh. Oh, la débilité profonde du mec. C'est pas grave. Mon but, c'est de mourir. Il est tout nu, Marvel, quoi, c'est ça. Il est tout nu. Pas chaud. Ah, donc là, on est sur emmerdement au max, quoi. C'est l'histoire. Il a inventé sa propre histoire. Mousclès. Je vais relancer parce que c'est pas ouf, hein, tout ça. Voilà, ça c'est mieux ça, par exemple. Bim, pistolet laser. Ok, petite rotation bien sûr. On va... Non, Phoenix ! En fait ça va. Voilà, oh là là, il se soigne entièrement grâce à la théière fissurée. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas d'exos, hein. Pourri. Salut sous la moule. Hop là. Bah alors, Tuzwin. Ça paraît bien se passer pour Tuzwin ici. Eh oui. Oh non, je suis gelé, non. Je suis dégoûté. Oh. Allez, bisous. Oh, ça a bien marché, cette histoire là de réanimation qui remet à 20 PV, là. J'apprécie. J'apprécie grandement cette histoire. Jeton de destruction. Oui. Oui, monsieur, oui. Et on va faire juste un truc vite fait. Héroïde A. Meneur. Et je vais utiliser mon jeton de charge sur lui, là. On va pas faire le boss tout de suite, hein. On va quand même savourer. Attends. Oh. On est là pour savourer. Savourer notre puissance de maintenant. On n'est pas sûr de la garder, sa puissance. Oh non, Glavictus et Carrascole. Oh, l'équipe de Zinzin. Allez, jetons le charge, tu gagnes plus 1 d'intelligence pour toujours, mon ami Maluse. Du coup, maintenant, il nous donne 7 de force pour un tour, ce qui est pas horrible, hein, honnêtement. Voilà. C'est une affirmation que je vous donne. À qui va les donner ces 7 de force? Oh, c'est quoi ce tour, là, encore? Là, ils attaquent tout le temps, ils font que ça, attaquer. Ils ont qu'un mot à la bouche, attaquer, attaquer, ça va. Je peux tout relancer, là. La rotation à toi, si elle tombe sur Heroid, je pleure. Donc ça va. Allez hop. Putain non, il veut m'attaquer, casse les couilles. Putain. Ah putain non, mais c'est vrai qu'il attaque en... Oh, il attaque aussi lui, putain. Imaginez, je meurs là. Imaginez. Mais non! Ah ça va en fait, j'ai oublié. J'ai pas eu oublié. Pas envie. Gros, pas envie. Allez, ça tourne. Son Carrascole ? Tiens, ça me va. Bah, autant les gagner, hein. Autant qu'ils soient là. Ça sert à rien, mais c'est plaisir. Oh, ça marche !
Putain, je pensais pas que ça marchait comme ça. Alors ça, ça me fait chier, voilà. Ça, il y a des moments où ça me fait chier. Voilà. On le refait, hein. Je vais le faire. Ensuite. Tu veux pas, genre... Ouais, ok, tant pis. Moi, je veux pas prendre de gros risques, hein. Attends. Non, il faut pas. Comme ça, l'autre, il devient meneur, il m'attaque pas. C'est le génie. Et je le tue, en fait, tout simplement. T'as voulu que c'est un PV, on pourrait se dire « Non, c'est trop triste !» Mais en fait, ça va. Tout va bien. Tout va bien, ça va même encore plus que bien. Oh là, j'ai envie de lui donner un emplacement d'équipement, mais il faudrait que je le donne d'abord à... à Jean-Claude Van Damme, là. Héroïde, là. Je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Reste oublié, passif, le scout d'intelligence, attaque, perd un d'or. Bon, pas cool. Peut être bien en fin de run, vraiment. En toute fin de run, éventuellement, cela dit. Ah, cela dit, Malus, il va quasiment jamais attaquer. Hein. Vas-y, je le prends pour Malus plus tard. Il va quand même attaquer un petit peu au départ, mais voilà. Oh, le feu de camp, oh, le feu de camp, on va tout de suite coudre une petite popoche. D'abord à Pavonix. Pourquoi à Pavonix, me direz-vous? Eh ben, j'en ai aucune idée. Mais quand même à Pavonix. Gros, il peut me donner un 11 de force, en fait. Il peut me donner 11 de force. On dit oui. Le système de combat ressemble à celui de Curious Expedition. Ah, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Curious Expedition, je ne connais pas. Ok, Malus sera donc devant... On va mettre Malus devant. Oh, les combats d'élite. De toute façon, le combat d'élite, on le connaît, c'est les crevettes. Est-ce que j'ai de quoi buter les crevettes? Oui, on va... Oh, oui. Les crevettas. Crevettas. Moins d'un d'or. Non! Pourquoi tu fais ça avec des fous de fou? Imaginez Pavonix meurt, là. Mais pour moi, ça. Trop tard. Non mec, me blâme pas, je t'en supplie. Mec, arrête vraiment, c'est chiant. Ok. Là, il va m'attaquer, il va me tuer, non. Ça va. C'est ok. Voilà, full life. Petite attaque dans la gueule. Et voilà, comme ça j'ai de la régène. Je suis bien pour la suite. C'est raillerie là. On va raillerie sur lui. Hein. Hop. Alors. Rappel de la stratégie. Il faut tous les mettre mal pour tous les tuer en un tour. Parce que ils reviennent à la vie lorsqu'ils reviennent à la vie. Ils reviennent à la vie lorsqu'ils sont pas morts, grosso modo. C'est l'idée. Lorsqu'ils sont morts, ils reviennent à la vie. Voilà. J'arrive à parler un jour. Promis. Donc là, on est globalement bien. Choc d'énergie, tu peux avoir un pire ou pas? Ouais, ok. Et éventuellement, peut-être quelqu'un d'autre qui m'attaque, parce que vous faites moins de mal, les autres. Voilà. Bien joué, bien joué, bien joué. Un mushrip avec la théière, ce serait bien. Ah bah mushrip avec la théière, c'était invincible, hein, grosso modo. Oui, clairement. Oh, ça me plaît, ce que je vois, ça me plaît. Donc il y en a un qui est mort. Il y en a un deuxième qui est mort. Et alors, quelque chose me dit qu'il y en a un troisième qui va mourir, mais je sais pas lequel, si je sais exactement lequel. Voilà. Oh, je l'avais dit que ce serait pas trop un gros problème. Je le sentais bien, ce fight. Je savais que j'avais ce qu'il fallait, là. Œil cosmique.
S'il n'est pas meneur, petite chance d'augmenter la force du meneur allié de 50% pour le reste du tour. S'il n'est pas meneur, petite chance d'augmenter la force. Attends, de 50%? 50%, c'est incroyable. Sachant qu'on parle de gens qui peuvent avoir jusqu'à 15 de force, c'est énorme. Choc d'énergie, donc j'attaque, mais j'attaque pas vraiment. Et c'est mieux que ça, quand même. On va dire que mon dé d'attaque basique, il va être bien, quoi. Au pire, je fais ça. Hop là. Pas mal, cette histoire. Putain, ça me donne envie de le mettre, hein. Oh non, chier, incapacité, non. Du coup, on va remettre Pavonix devant, maintenant. C'est magnifique, hein. Là, on est sur un combo qui déchire pas mal, hein. De se coller. Wasai! Ah, mais encore ces deux connards! Non, mais c'est pas que je les aime pas, mais vraiment, je les déteste, quoi. Il faut que Glavitus soit devant. À tout prix. Mais non! J'ai encore fait de la merde. C'est pas très, très, très grave. Et je vais quand même me faire casser le cul. Oh, si je joue Glavitus maintenant, j'ai plus trop de problèmes. Bon, ça y est, c'est quoi? Attaquer, attaque une fois le meneur. Quand il est attaqué, il attaque, quoi. Grosso modo, pas très original. Là, je peux tuer Glavitus, là. Oh, je tue le Carrascol. Non, je peux pas. Mon rêve, hein. Mon putain de rêve. Mon motherfucking rêve. Mais on va plutôt tuer juste Glavitus. Tu attaques tes meilleurs. Oh merde, putain. Vous pouvez pas me mettre blâme, s'il vous plaît? Ça me ferait plaisir. Que ça me va. Ça, ça me voit un peu moins, mais bon, c'est pas grave. D'accord, il est pas encore mort une fois, lui. Non, bah non, sinon il y aurait plus. Très bien. Garde, carrément, on en est là, quoi. Carrément, on donne des gardes aux gens, quoi. Le choc d'énergie, là. Le choc d'énergie sur Wasai. Ok. Fait chier avec son blâme, lui. Qui l'a invité? Il va être 8 dans la gueule parce que du coup il va devenir devenir leader. Bim. Quoi? Ah, il attaque un mec aléatoire. Ah, c'est même pas le meneur, c'est un mec aléatoire. Ah, j'avais pas capté ça. Très bien. Oh. Regardez bien la stratégie. 25 d'attaque dans Wasai là. Voilà, parce que c'est quand il est attaqué. Et là, il est pas attaqué. Par contre, on va tuer Carrascol, hein. Ça, c'est... C'est catégorique, hein. Est-ce qu'on peut reroll ça, s'il vous plaît, les gars? Ok. Tu sais quoi? Allez, hop. Vas-y, un chacun. Comme ça, tout le monde est content, quoi. Bien joué, mec. Il se purifie, bien joué. Ok. Il a attaqué mon bouclier, je suis pas très content. J'ai pas encore pris mon... J'ai pas encore pris mon blâme, moi. Ce serait temps de me tuer, monsieur. Hein.
Y'a pas de catégorie Deathfall sur Twitch, c'est toujours en discussion. Ah oui, bon ça arrive. Des fois j'aime bien oublier, c'est sympa. Oh, on a même pas eu besoin que Pavnix meure quoi. Regardez moi ça, il dort maintenant, le gros bébé. Vas-y, attaque mon mec. Ah merde, pardon. Si ça te dérange pas, du coup, je vais pas te tuer. J'ai pas envie. Ah, il est obligé de m'enlever Marie-Jeanne. J'ai pas envie, moi. Je peux faire ça. Bon, je voulais pas le tuer pour me régénérer encore, mais c'est pas grave. Ah, ça fonctionne bien, hein, ce combo. Un combo d'activation pas mal. Bonjour, voyageur. Qu'est-ce que tu me proposes? Ouais, les deux m'intéressent. Je peux pas te donner genre 17 pour les deux, gros. T'es sûr, tu veux pas? En vrai, sur l'activation, ouais. Un autre? Mais non. Bah, du coup, ça sert à rien. Gros, tu m'as donné un doublon. Vas-y, échange. Putain de bâtard. Ça sert vraiment à rien d'en avoir deux. Inflige sommeil deux fois. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Bon. On rappelle, hein, cette dinguerie. Désactivation, une fois par combat, inflige 200 dégâts à tous les adversaires. Si j'arrive à faire désactivation, je gagne grosso modo le combat. Mais faut y arriver, quoi. C'est pas gagner-gagner. Manger une grappe, là. Ouh, mamie. Hop, l'or. Très bien, très bien, très bien. Continuons, continuons. Ah, Marluk! Si seulement c'était mon père. Marluk, je suis ton père, bref. Petite blague. Ah, Marluk. Je suis tout le monde, gros. Je te le dis. Attaque à dist. Bah ouais, hein. Grosso modo. Hop, j'ai la Rajan. Je reroll, toujours de la merde. C'est bien, c'est bien. Continue, continue. Ça m'intéresse pas, hein. Ok, l'activation, ça, c'est top. Ça, c'est un peu moins top, ça, par contre, mais c'est un avis. Hein. Je fais chuch. Que ça va tuer, ça va pas tuer. Vas-y, attaque-moi une fois, Marluk. Voilà, merci. Attaque-moi une fois, tu vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, bien joué. Bisous. Salut, mon... Un combat expéditif, hein. Oh la grappe! Expéditif cette histoire. C'est bon, j'ai fait tous les combats là? On s'emmerde. Hein. Je suis insupportable. Je vais peut-être prendre le jeton de multi-win, cela dit. Ouais. 6ème heure, plus 2 heures, on s'en fout. Plus de DRS, 4 forces pour le reste du temps, on s'en fout. Inflige un montant de saignement égal à la force du meneur allié au meneur adverse. Ça peut. Écoutez-moi, j'ai besoin de tout ce qui peut me faire gagner. Vraiment. Everything that can make me gagner is good. Is in my ass. Ça, on l'a encore jamais vu. Hein. C'est encore jamais arrivé. S'il n'est pas meneur, petite chance d'augmenter la force. C'est encore jamais arrivé, malheureusement. C'était un scam depuis le départ. Brood B. Mamie, je m'en fous. Tout le monde est en vie. De l'argent, c'est oui. Bon, on va regarder vite fait la forge OD à nouveau, mais je crois que... On va l'ignorer, hein, ce troisième dé. Ça vient, il serait à chier, ce dé. Des rotations, on s'en fout. En vrai, ça permet de reroll, cela dit, mes dés. Je pourrais avoir des attaques fortes. Pourquoi j'ai pas pris ça avant, en fait? Je pourrais littéralement avoir un dé... Un dé de baiser.
préfère avoir un dé de baiser qu'un dé pourri, hein, vraiment. Plus un mana lui octroyé pour le reste du combat. En vrai, 4 de mana, ça devrait suffire pour Maluse. Bon, là, c'est le moment où on va savoir si le jeu est injuste. Est-ce que j'ai encore une chance de vivre? Je retourne au marché noir pour voir les jetons. Ouais, j'ai tout acheté. Oui, j'ai tout acheté déjà, globalement. C'est là qu'on va voir si le jeu est injuste ou si j'ai encore une chance de vivre. Oh, c'est Mukadon, c'est pas l'autre con. Ça va. Après, car Rabouclo, on l'aime pas trop, mais... Tous mes homies n'aiment pas trop. Oh, qu'est-ce que quoi? Ah mais oui, c'est vrai que Rabouclo... Oh là là. Quand ils sont attaqués, ils forcent l'attaquant à attaquer une chimère de son équipe. Voilà. Grosso modo, si j'attaque Rabouclo, je me prends les dégâts du mec qui a attaqué quoi. C'est de la merde. Si jamais je peux... Je peux donner un avis subjectif. Bon, Mukadon. Mukadon, c'est quoi déjà? Fin du tour, gagne 1 de force pour le reste du combat. Ouais, plus le combat dure, plus il est fort, quoi. Donc, l'idée, ce serait de réussir à tuer des Rabouclo. C'est impossible. Voilà, grosso modo, ce que j'en pense. Attaque, mec. Ok. Regardez ce qu'on a. Non! Parce que je voulais faire ça. Ah. Je peux faire deux activations. Voilà, pistolet laser. C'est le seul moyen que j'ai de leur faire mal. Putain. Bah vas-y, renforce-toi, gros. Cette attaque forte, là. J'ai le zoom. Je fais de la merde. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que eux, voilà, ils m'ont pas fait chier encore. Ils gagnent un de... c'est quoi ça encore? Ok. Oh, le chien, ce qu'on fait. Tout réfléchir. Hein. Actuellement, tout est réfléchi, la réflexion est réfléchie. On est là pour casser la gueule. Si je le mets là, lui, il va prendre 24 x 2, 48 dans la gueule, ok? On n'a pas envie qu'il fasse ça. Si, moi je fais bam! Ça compte pas comme une attaque, ça. C'est ça qui est bien, avec cette action. Relance. Let's go. Plus un de force pour lui. Bravo. Oh, attention. Le piou-piou. Ok, on augmente la force de Bionix. Tu veux faire un truc, peut-être, mec? Je crois que si j'attaque Rabouclo actuellement, si j'attaque lui, ça va pas marcher parce qu'il sera mort. Le seul moyen de le savoir, c'est ça. Voilà. Vas-y, Rabouclo devient plus fort, mec. Enfin, on arrive à se débarrasser des Rabouclo et ça, c'est extraordinaire. Il est en train de devenir un petit peu plus fort à chaque fois. Il se fait zizir. Donc là, j'augmente de 11 la force de Héroïde A. Regardez. Hop. 26. C'est bien, 26. Ça permet de tuer Rabouclo sans même... Bim, prendre quoi que ce soit. En plus, lui dort. Magnifique, hein, magnifique vie. Ah, mais, putain, un choc d'énergie, ça marche même quand il dort. Oh, du triche. Un triching, bro. Bruh. Ok mec, bien joué. Ok mec, bien joué. Bruh. Peut avoir mieux, non?
Brr. Voilà. Rendez-vous compte que Pavonix n'a pas encore eu besoin de crever. Hein. Sachant que normalement sa mécanique c'est qu'il crève. Ah, enfin une attaque. Mousclès. Vas-y, blâme-moi, j'en ai rien à foutre des deux de Rajan. C'est parti pour l'attaque forte, bam! Choc d'énergie, bam! Bon, j'ai raté quoi, t'inquiète, Loyo. TKT, ça se passe très bien. T'as raté qu'on a commencé à construire une team qui fonctionne plutôt bien. Putain, mais il faut rien, gros. Attaque! Merci. Elle a besoin que t'attaques. Je garde ça pour un gros tour de fou. Merde, c'est vrai que ça fait multi-relance. Putain. Ah, ça a marché une fois, bravo. Allez, c'est le moment. This is the moment. Attention, mesdames et messieurs. C'est le moment. Non, j'ai mort. Mais non, ça va, je rigole, putain. Le 40 de force. Ah, il attaque. Pas top. Putain, ça fait plaisir. Bon, ça, je peux pas attaquer. Putain, en vrai, c'est trop chiant, ça. En vrai, ça casse les couilles, non? Qui est d'accord avec moi? J'avais pas réalisé que ça pouvait être aussi chiant ça. On est obligé de faire toute la tout le tour avant. Pas réalisé cette histoire moi. Hop là, on est bien. Ceinture astéroïde, inflige 3 dégâts à tous les adversaires à chaque rotation, mais ça on s'en fout gros. Entrée en tête, plus 2 de force pour le reste du combat, sortie de tête, moins 1 de force pour le reste du combat. Oh, ça c'est tellement fort. C'est tellement fort mais c'est pas dans l'autre stuff. Dans un autre stuff ce serait fou. Dans celui-là, ça sert à rien du tout. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. À l'équipement, plus 4 de force au déséquipement, moins 5 de force. Plus utile, en vrai. Plus radical. Plus radical. Parce qu'on tourne pas tant que ça dans le match. Donc, bon. On va partir en greffe. Eldritch. Et puis, on le filera à Pavonix, hein, je pense. Qui sont encore plus pétés. Bon, un petit peu en sueur et en sang, là. On va d'abord faire le combat avant. Je vous le dis tout de suite. Hein? C'est qui, ça? Bah, super le spoil. Arborichi, que j'ai jamais vu de ma vie. Arborichi, Ichigua. Allié KO, gagne 4 de force pour le reste du combat. Ah. Chiant. Attaquer une fois par tour, gagne garde. Oh, trop chiant, gros. Oh, il est chiant, lui. Alors, activation. On va activation tout de suite, hein. La question étant, est-ce que je tue... En fait, j'ai tout intérêt à tuer Arborichi direct. Parce que sinon, il va devenir très chiant. La question, c'est Arborichi, mais Ichi quoi? Hop, on va pas tourner bien sûr. Début de combat plutôt plutôt simple. On renforce bien sûr. On rappelle que si j'utilise tous mes dés, lui il va m'infliger de la confusion. On n'a pas trop envie. On va pas trop avoir envie. Votre comité s'est terminé sur moi qui résiste à l'école m'a bien fait marrer, je dois avouer. C'est extrême griffe. Ça va bien, ça va bien. C'était très chouette. Bah pas Ionix hein, encore une fois. Après j'ai presque envie de relancer mais bon. Rotas. Carapa il est un peu relou. Carapa le rappeur là, il veut quoi? Ouais je vais peut-être tout relancer. Voilà, je préfère ça. Rappelle que à 4 d'activation, je vais tous les endormir et ça. Ça me régale. Hop là, 24 x 2, 48 si jamais vous aviez besoin de faire le calcul.
Hop, on n'a pas besoin de tourner, on est bien. Hop là. Allez hop, Koshmora, ça dégage. Entre tuer Koshmora ou Arborichi en premier, je sais pas ce qui est le plus important, hein. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont importants à buter. Stratégie de désactivation, bah... En vrai... le désactivation, ça nous régalerait, bien sûr. Clairement, ça nous régalerait. Faudrait y arriver. Malheureusement, on n'a pas eu trop de trucs d'activation. Mais toujours, toujours cool. Ah, voyons voir. Arborichi. Un petit peu envie de détruire Arborichi en premier, mais... Il faut que Pavonix prenne des dégâts. C'est important. Allez, relance. Let's go. Ok. On sait bien que comme ça, ils vont faire dodo en plus. Ça va dormir fort. Ah tiens, Arborichi. Oh dodo. Oh dodo. Donc là, s'il me fait ça... Ça va le faire. Ah, ça le réveille quand même? Ah, je pensais pas que ça le réveillait. Vu que je détruisais son bouclier. Bon, chiant. Merci, mec. Merci pour tout. Un énorme moment. C'est quoi? Vas-y, tourne. Moi, je relance pour avoir peut-être activation. Quoique, en vrai, renforcement ciblé sur Pavonix. Très clairement, un bra moment. Allez, hop. Ah. Voilà ce qu'on aime voir. On va pas voir Karapa mourir en premier. Hein. On veut voir Koshmora ou Arborichi. C'est ça qu'on veut. Hop là. Je garde précieusement les trucs de force de Maluse. Pour des trucs spécifiques. Hop là. Hop là, la petite activation bonus tous les 3 tours. Oh oui, oh. 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 Allez, il y a les moments, on est très heureux de vivre ce genre de moment. Oui, enfin. Petite relance. Oh mec, non! Fais gaffe. C'est trop lent, gros. C'est quoi ça? Ok, vas-y, attaque-moi, mec. Ah, fais gaffe, tu dors. Alors que moi, ça va, je dors pas trop. Moi, ça va, je dors pas. Perso, ça va. Oh oui! Oui, monsieur! C'est oui. Vas-y, soigne-toi de rien, mec. Bien joué à toi. Vas-y, retourne. Koshmora, vas-y, attaque-moi, s'il te plaît. Ah, merde, le con. Putain, ça a pas marché. Je suis un peu dégoûté. Allez, ça dégage. Infliger 50 dégâts ou plus en une seule attaque. Ah, je l'avais jamais fait. Dingue. Dinguerie. Attention, Mena, vu que tu as aimé ma recommandation, tu vas être noyé par ça venant de ma part. Bon, je rigole, mais fais gaffe quand même. Ah bah, après, attention à toi, parce que... t'es pas prêt pour toutes les fois où je vais dire oh, non, j'en ai rien à foutre. Après pour ça aussi. C'est important. Bah moi, hein, toujours. C'est bien. Vas-y, mets-moi un blâme, mec. Ah, ça sert à rien, pardon. Ok, on retasse. On re-retasse. On re-retasse. Attention, Karapa. Tu vas peut-être avoir un bouclier. Mais bon, j'ai envie de te dire pourquoi faire. Voilà. Pourquoi faire le bouclier, mec? Oh, oh là là, le rêve. Le rêve. Le rêve en marche. Oh là là. Si proche d'un rêve. Putain, regardez comment Pavonix vit. C'est dingue. Ça fait quoi, Blam, en fait? Ça rate tout le temps. Bah, Blam, ça nous enlève les bonus qu'on a. Sauf qu'on a quasiment jamais de bonus. Le seul bonus que je peux avoir, des fois, c'est Régène. Et je fais en sorte de pas me le prendre quand j'ai Régène.
Cauchemore. Vas-y, attaque, mec, t'inquiète. Mais non, mais t'as raté. Mais fais gaffe. Putain, il a raté ses attaques, ça dégoûte. Bah, vas-y, ça m'a trop énervé, je vais le tuer. Allez, ça dégage, on n'aura pas encore vécu le rêve. Mais on aura vécu un bon combat, par contre, hein. Putain, je n'ai pas besoin de me soigner. I've got no besoin au soignage. Ça, si ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui souffrent de dents sensibles. Aucun rapport. Aucun putain de rapport. Très bien. On va te donner, bien sûr, la greffe de riche. Oh là là, et quel plaisir de se dire qu'on va aller au feu de camp pour manger et augmenter nos stats. Et alors, ok, un PV max, un de force. C'est pas extraordinaire, mais c'est franchement, c'est cool. Bon, n'oublions pas, je dois regarder, j'ai un jeton de fin de tour qui me permet de survivre, littéralement un tour. Un jeton de destruction qui me permet de tuer un des ennemis, si jamais je suis dans la dèche. J'ai un jeton de multi-soin, 50% de soins pour mon équipe. Un jeton de saignement, sur lequel on va se faire plaisir, on va pas se mentir. Si l'une chimère gagne raillerie, ça peut aussi éventuellement nous être utile. Hello Salem! Salem alikum, alikum Salem! Ok. On part donc. Ouf. Salem qui peut passer un très mauvais moment d'entrée de jeu. Et on va tout de suite le prouver, regardez. Avec notre boule magique. La boule de lavage. Jage. Oh aïe aïe aïe. Et hop, ça prend 2 fois 27. Pour ceux qui ne sont pas très forts en maths, ça fait quand même 54. Oh non, il va se purifier, non, mec, arrête de purifier, s'il te plaît, fais pas ça. Bon, non, en fait. En fait, c'est ok. Bon, petite rotation, ça me va. Je peux avoir quoi à la place? Rien, tant mieux. On continue, on vient sur le choc des légionnaires. Attends, je peux avoir mieux que ça, non? Il existe un monde où j'ai mieux. Voilà. Oh non, il a concentration. Allez hop. 44 au corps. On le tient encore, celui-là. Oh non. Putain, ça dégoûte. Fléau arc-en-ciel. Bon, non, j'aime pas. Non, j'aime pas ça. Inflige 60 dégâts à ses alliés lorsqu'il meurt, ça c'est bien. Hein. On va le refaire. Hein. Oh, putain, ils vont dodo. Vergona dodo, et ça. Et ça, c'est pas rien, ça. Oh, ils vont bien, rompiche. Oh, tu peux pas faire une rotation de l'autre sens, mec? S'il te plaît, mon rêve. Rotation dans l'autre sens, s'il te plaît. Ou pas de rotation du tout, ok, bah top. Bah renforce-toi, Salem. Hein. Enfin, Salem corps, attention. Par contre, je suis dégoûté, il va m'attaquer. Oh non, ça va. Ah, lui aussi, putain. Ah non, ça va. Bon, bah, petit choc, hein. Choc barre de baiser. Attention. Hop là, 5 d'activation. Oh là là. Oh, le 10. Oh, le 10, il va arriver. Il va arriver, le 10. Je le sens venir. Salem qui va m'attaquer, pas chaud. Pas chaud pour Blam. Alors il faudrait que je tourne. Non, pas chaud. Relance, s'il te plaît. Chiant. Quoi ça? Multi-relance encore? Bon, alors activation, c'est mieux. Activation, on s'en marre moins. Hein. Là, du coup, ça ferait activation ciblée. Vas-y, active ton corps, mec. Pas l'air d'avoir fait grand chose. Désolé de te le dire. Il va m'attaquer avec sa queue. Bizarre. Allez hop. Hop là. Eh. Ça se passe bien cette histoire. Ça se passe même trop bien. C'est pas normal. Ulti-réanimation, non. Ça ne fait rien. Oh j'ai. Oh j'ai la. J'ai la max stylock, hein, vraiment. Et son corps est en train de crever. Attention, il va m'attaquer. Ah non. Pardon.
Tant pour moi. Qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux que purification? Ah, il peut me mettre blâme, j'ai pas envie. Bon, après, pour l'instant, je m'en fous, cela dit, hein. Tiens, mec, juste deux secondes, je vais faire ça vite fait. Petit 29 de saignement, ça te dit? Allez, hop là. Ah, mais putain, il a purification, je suis débilos. Bon, moi, ça va, je suis pas débilos. J'ai failli l'être, hein, quand même, faut le dire. Il y a un moment, quand même, des fois, où j'oublie des trucs. Miroir, mon beau miroir. Attaque de soutien. Bah vas-y mec, attaque de soutien mec. Pas trop chaud en réalité. Il va dodo. Qui c'est qui va rompiche? C'est Salem. Oh le rompiche. Vas-y mec, active ta queue maintenant. C'est dommage hein, que ça fasse pas quelque chose de les activer. Ça pourrait être utile en vrai. Petite inaction. Petite attaque. Allez, attaque mec. Il veut jamais attaquer, hein. Il casse les couilles un peu. Hein. Vas-y, renforce-toi, mec, t'en as besoin, vraiment. Je te le dis. Ah non. On va vite fait augmenter notre attaque, parce que je pense qu'on en a besoin. Voilà. 72, c'est pas mal, c'est ok. Correct. Correctos. Le gars qui va se finir avec 0 dégâts de ton côté, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. C'est pas impossible. Oh là là, oh! Oh là là, il arrive! He's coming! Il arrive. Oh non, le blâme, je vais perdre un de régénération. Non! Non, mec, fais pas ça! Il dort plus, c'est pas drôle. Putain. Le rêve est en marche, hein, je vous le dis. Le rêve, il arrive, là. Ah, c'est vrai qu'il y a la concentration, là. Il s'énerve. Il s'énerve un petit peu. On relance des taffes. Il est là! Attention, mesdames et messieurs! Il arrive! C'est parti! Et... la force! Bam! Et c'est parti! Attention! L'explosion du corps! Et c'est fini! Par seul dégât du combat contre le boss final du jeu! Let's go, putain, on l'a fait. Oh la vengeance! Oh, qu'est-ce que ça me fait du bien! Par rapport à la dernière run qui était une catastrophe en termes de luck! Oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien! Oh, j'ai vaincu Selem sans me faire bolos. Oh! Ah, c'est pas de la luck, hein! Eh, j'avais une chance sur deux que ce dé-là me fasse une activation à chaque fois et puis je peux le relancer une fois par tour. Ça va, sachant que j'ai une activation tous les 3 tours, et que j'ai des miroirs. C'est pas de la luck. C'est de la provocation de luck. Oh là, c'était magnifique. Magnifique. Oh, le 1012 de score. Let's go. Reptel. Équipement débloqué. Oh, il y a encore des équipements à débloquer. Oh là là. Il est stylé, lui. Et un autre, un poulet à 700. Putain, j'étais à un point de pas avoir l'autre. Putain, elle m'a régalé cette run. Une régalade. Tout simplement du plaisir. Plaisir en barre, en ce que vous voulez. En cachet, en aspirine. En intraveineuse. Du plaisir, tout simplement. Oh, on l'a bien mangé. On l'a bien gémant. Bon, YouTube. C'est avec un énorme plaisir que je te fais des gros bisous. Oh, ça m'a soulagé. Oh, et venez, on regarde ce qui nous attend. Les dés de départ sont plus puissants. Ok. Les boss apparaissent avec garde. Eh, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Là, juste, j'ai des meilleurs dés, voilà. Mais les boss, ils ont un bouclier. Eh, ça va. Eh, franchement... Non, mais non, non. Laisse-moi tranquille. YouTube, c'est pareil, on joue pas. Salut mon pote.